Alors, comme je vous l'avais promis la semaine dernière, quand je vous ai présenté le kit pour les lèvres de Kylie Jenner, on va parler du make-up Kardashian. Alors, donc, c'est une gamme de maquillage qui a été faite par Kim, Courtney et Chloé. Voilà. Dont on entend très peu parler. Alors, on entend beaucoup de la gamme pour les cheveux parce qu'elle a débarqué chez Marionneau l'année dernière. Voilà. Ça, je crois que c'est que Kim. Bon, enfin. Comme je ne suis pas les Kardashians de très très près, voilà, je suis pas. Si je fais des erreurs, vous me le dites. Hein. Mais la gamme de maquillage existe. Alors, à un moment, il y avait beaucoup de trucs. Là, j'ai l'impression qu'il y en a un peu moins qu'avant. Même aux États-Unis, il y en avait vraiment moins. Mais ça reste de très bons produits. Ils sont vendus sur fil unique. Et je les ai vus dans d'autres e-shops. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Mais sur fil unique, c'est sûr. Il n'y a pas une gamme énorme comme je vous disais, mais quand même les produits que j'ai sont pas mal. Alors il y en a que j'ai acheté aux États-Unis quand j'y suis allée, que ceux-là j'ai pas retrouvé sur Filunic, mais il y en a que j'ai acheté sur Filunic il y a un an et demi, un truc comme ça, et donc j'avais zappé de vous parler comme d'habitude. Voilà, parce que je suis toujours en retard. Donc j'ai pas mal de trucs pour les lèvres, j'ai que des trucs pour les lèvres et les yeux. J'ai 1, 2, 3 produits différents pour les lèvres, 3 et demi même en fait. Et 2 différents pour les yeux. Alors, au niveau des packagings, je vais vous en montrer certains. Après, je vais vous parler de chacun. Voilà. C'est très glowy. Voilà, c'est très Kardashian. C'est du plastique, mais c'est pas non plus de la mauvaise qualité. On pourrait croire que c'est de la mauvaise qualité, parce que ça fait un peu plastoc, vraiment. Mais en fait, c'est de la bonne qualité. Enfin, j'ai jamais eu un truc qui se cache dans la petite paillette. Je la prends dans mon sac et tout. J'ai jamais eu de problème. Par contre, j'ai un souci avec tout ce qui est stick, vous allez voir. C'est-à-dire qu'en fait, il se casse. Alors, je trouve ça très dommage, alors que ça soit les petits sticks pour les yeux, pour les lèvres, les autres sticks pour les lèvres de l'autre gamme. Je trouve ça dommage parce qu'en fait, les produits sont bons. Il n'y a pas de problème. Les produits sont très bons, pigmentés et tout. Vraiment, ça a été une très bonne surprise quand j'ai testé les premiers trucs. Mais par contre voilà la qualité, j'ai envie de dire du packaging, mais c'est pas vraiment le packaging puisque c'est le produit en lui-même qui se casse, laisse un peu à désirer, voilà. Sinon je trouve ça bien pigmenté. Alors après c'est très new, très glowy, voilà, très Kardashian, c'est pas des trucs hyper flash et tout ça. Mais je trouve que ça peut être vraiment pas mal. Leurs gloss sont très bien, alors que moi pourtant je suis pas hyper gloss, mais j'en ai 3 de chez eux. Et que ça soit les crémeux ou les pailletés, enfin j'ai 3 gammes en fait. Ils sont vraiment très bien. Les crayons là que je vais vous montrer pour les lèvres, enfin un genre de jumbo, vraiment vraiment très très bien aussi. Je suis désolée, il fait moche dehors, c'est pour ça que la lumière est aussi grise, foncée, dégueulasse. Je suis désolée. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter chaque produit un à un. Je vais faire dans l'ordre de ceux que j'ai achetés le plus anciennement au plus récemment. Donc, la première commande que j'ai passée sur fil unique, elle contenait que des produits pour les lèvres. Et elle contenait ces 3 produits. Donc, les 3 jumbo et leur Honey Gloss. Non, c'est Plump Lips ou je sais pas quoi. Donc, c'est un gloss qui est censé repulper. Alors donc ces 3 petites choses, franchement je les aime beaucoup. Donc moi j'ai la teinte Love Hangover. Alors ils font comme NYX, ils mettent des trucs en français. L'Empire de l'Amour. Modern Mauve, Mauve Moderne. Et Baby Doll Poupée, voilà. Alors il y a un nude assez clair, donc c'est Nouveau Mauve. Alors très honnêtement je le trouve pas mauve du tout, mais bon. Voilà, donc c'est semi-mat, mais ça tient très bien. J'étais très très étonnée parce que ça tient vraiment bien. Love Hangover, L'Empire de l'Amour, est un peu plus marron. Alors il me fait un peu penser au Candy K, justement, de. Non, au Dolce K, pardon, de Kylie Jenner. Voilà, et Baby Doll, alors lui c'est le premier qui m'a fait défaut, c'est-à-dire qu'il est arrivé. Il est tout défoncé, c'était tombé, ça s'était cassé. Mais c'est un très joli rose poupée. Voilà. Alors, moi j'adore l'odeur des produits. Je trouve qu'ils sentent beaucoup le miel, c'est très sucré, très. Voilà. Moi j'aime beaucoup, mais il faut aimer.
Donc franchement, il faut aimer. Ces trois petits trucs, j'aime bien. Donc c'est celui qui a la meilleure texture pour moi, c'est le plus clair, là, le moderne mauve. Après, le marron, ça va. Le rose, il est un peu épais, mais il est très très joli sur les lèvres. Ça, c'est bien pigmenté. Enfin, vous voyez, c'est pas... Et c'est semi-mat. Et c'est surtout la tenue, moi, qui m'a bluffé. Ils sont aux alentours de 10-12 euros, donc ils sont vraiment pas chers. Ensuite, j'ai pris le gloss. Alors attention... Ce gloss, c'est le gloss qui a la plus grosse, j'ai jamais vu un gros embout comme ça quoi. Le truc qui fait genre limite la taille de ma tête. Attention, je sais pas si vous voyez la taille du truc, mais genre mais c'est juste énorme, c'est-à-dire que tu peux même pas le poser sur les lèvres. Par contre, au début j'ai eu un peu peur, par contre il y a un espèce de petit réservoir donc qui prend la juste dose de produit. Moi j'ai le, alors parce qu'il y a les couleurs, Revet Lip Rose Gold, or rose revitalisé. Voilà, que je trouve très très jolie. Alors là je porte trois trucs en fait. Oui ben j'aurais pu vous le dire. Je porte le plus clair, un gloss que vous allez voir juste après, et juste au centre celui-ci. Et il est trop beau. Il a des reflets de fou. Si vous le posez juste, il est plus intense. Franchement, il a une bonne intensité. Ceux-là, c'est des gloss transparents, enfin semi-transparents. Il y a quand même une couleur, mais c'est surtout des reflets. Pour le côté plump, effectivement, ils ont un goût de menthe. Enfin, on sent sur les lèvres, vous voyez, que ça travaille un peu. Donc, je ne suis pas sûre que ça repulbe des masses. Mais très honnêtement, ils donnent quand même un effet, ne serait-ce que par effet d'optique, comme c'est très, très holographique, très, très pailleté, etc. Ça donne quand même un effet de toute façon de lèvres un peu plus mis en avant. C'est pour ça que j'aime bien le mettre juste au centre. Et donc forcément, voilà, encore plus que si on le met partout. Ou là, ça fait un peu trop, on sait pas trop. Que si on le met juste au centre, donc voilà, là et en dessous, bah, effectivement, l'effet est encore plus waouh. Mais franchement, ils sont super agréables. Pour des gloss, ils collent pas, je trouve. Je trouve qu'ils sont vraiment aussi bien que, par exemple, ceux de chez MAC. Ils ont rien à leur envier et ils sont très 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 jolis. Dans la deuxième commande fil unique pour la famille Kardashian entre autres, il y avait ceci. Donc un petit stick pour les yeux et un duo gloss et stylo double embout. Alors j'ai trouvé l'idée super bien de ce duo parce que vous avez tout en fait. Donc vous avez le crayon d'à côté, le jumbo comme les autres de l'autre et le gloss. Par contre, moi, je voulais... Alors, celui-là, je sais plus celui qui c'est. Parce qu'il y, a... il y avait trois... Il y avait trois kits différents. Donc, un pour Kim, un pour Corée, un pour Courtney. Je crois que ça, c'est Courtney. Alors, vous avez donc ce petit crayon double embout. Vous avez d'un côté le crayon. Mais là, sur le côté crayon, vous voyez, j'ai eu le même problème. Voilà, ça s'en va. Mais à côté de ça, il est sublime. C'est un marron vraiment sublime. C'est vraiment un chocolat. Vous voyez, donc super pigmenté, bien, comment dire, assez gras mais dans le bon sens, donc il glisse bien sur les lèvres. Et de l'autre côté, ça c'est un petit jumbo qui a la forme des autres, par contre il est plus glossy, il est un peu moins pigmenté, vous voyez. C'est pas qu'il est moins pigmenté mais c'est vraiment plus sheer. Si on le pose sur le crayon, en fait il fait vraiment ressortir la texture, la couleur du crayon et tout en lui apportant un petit truc. Et le gloss, alors ce gloss là, ça c'est les Honestik. Donc toute la gamme est au miel, en tous les cas pour les gloss et les lèvres. Ça a toujours la même odeur, par contre là l'embout est beaucoup plus normal, vous voyez c'est tout petit. Par contre il y a toujours ce système de réservoir, on le voit un peu creusé et ça c'est super pratique parce que ça prend vraiment la juste dose. Là encore c'est quelque chose de semi-transparent mais pour celui-ci comme il est pas mat, j'allais dire mat non mais je veux dire crème, il n'y a pas de paillettes etc. Ça fait un peu plus sheer encore, mais sur le mélange rouge à lèvres gloss, alors hop, sur le mélange rouge à lèvres crayon, je sais pas si vous allez voir, mais ça intensifie encore la couleur. Après, bon, c'est un beige marron, il s'appelle In the Buff, donc lui il n'a pas de traduction, et il est vraiment très joli, j'espère que vous voyez bien. Donc, ça c'est le mélange, enfin là au milieu, là, c'est le mélange des trois, le crayon plus le côté lipstick. Plus le gloss. Voilà, donc ça fait une vraie couleur chocolat. C'est vraiment un joli ensemble. Et comme le crayon, le côté rouge à lèvres, entre guillemets, est assez sheer, vous pouvez emmener juste ça avec vous si vous voulez vraiment pas du gloss. Vous n'êtes pas obligé de l'emmener avec vous.
Quant au petit truc pour les yeux, donc là, toujours le même problème. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Je pensais que, parce qu'en fait, le cul s'enlève partout, enfin sur tous ceux qui en ont un. Donc je pensais qu'on allait pouvoir les tailler, mais en plus on peut pas. Donc ça c'est un, je comprends pas autant que ça s'enlève pas dans ce cas-là. Par contre, à côté de ça, vous avez les pastilles bien de couleur pour bien les retrouver si vous en avez plusieurs. Donc ça c'est assez pratique. Revenons-en à mon petit crayon pour les yeux. Donc c'est pareil, c'est un jumbo pour les yeux, c'est crème. Par contre, j'ai toujours le même problème, hein, donc ça s'enlève. Mais à côté de ça, franchement, je lui pardonne parce que la texture est juste géniale. C'est un truc entre mousse. C'est une ombre crème, mais limite mousse qui se travaille super bien. Et alors, mais qui est mais lumineuse. Donc c'est les Glim Club, crayon contour des yeux effet métallisé. Et lui, bah, ça doit être ça son nom, Glim Club. Je pense. Et alors, vous allez voir, mais cette merveille, attention les yeux, pour faire le coin interne. En plus, vous voyez, ça se travaille très bien. Pour faire le coin interne et tout ça, et bien travailler dans le coin interne et tout, c'est hyper joli. Et surtout, c'est hyper agréable. Il y a un petit effet frais. Enfin voilà, vraiment une vraie ombre crème entre la mousse limite gelée et tout. C'est sublime, super agréable, hyper joli. La couleur, cette espèce d'argenté avec une pointe de rose est magnifique. Vous pouvez vous en servir donc en coin interne, sur toute la paupière, juste sous le sourcil. Là, ça fait un peu... Voilà, donc moi j'aime moins, mais vous pouvez le faire. Il est génial. Et en plus, bonus, hein, on peut, comme d'habitude, l'utiliser en highlighter, pardon. Voilà, parce que vous voyez, c'est une couleur quand même qui peut très bien aller aussi sur le visage. Voilà, très légèrement, on peut. Et ensuite, les deux derniers produits que j'ai achetés, c'est aux États-Unis, donc c'est ceux-là. Donc alors, il y a un autre gloss de la gamme Honestic. Celui-ci, c'est le Raw Honey Miel Brut. Et c'est vraiment le gloss, c'est-à-dire qu'il va, il va sur toutes les couleurs et il va vous faire un effet, voilà, un effet glossé, mais vraiment vinyle, parce que... Il revient un petit peu comme celui-ci, donc là il y a des espèces de micro paillettes, il est un peu holographique et tout. Et il va surtout, donc là c'est lui que je porte, donc j'ai mis ça en dessous, ça par-dessus, partout, et l'autre gloss au milieu. Tout ça en petite touche bien sûr, hein, on fait ça léger. Mais celui-ci je l'adore, quand je l'ai vu aux États-Unis, alors je l'aurais pas du tout acheté sur internet parce que la couleur me faisait un petit peu peur comme ça. Mais en fait il est juste, il est vraiment sublime et toujours pareil, ça colle pas trop, c'est agréable, ça tient quand même pour un gloss, enfin, franchement j'adore ces deux trucs. Pourtant je vous dis, vous me connaissez, je suis plus rouge à lèvres mat, voire liquide mat vraiment, mais ceux-là c'est une surprise de dingue, vraiment je vous les conseille si vous aimez les gloss Kardashian sont géniaux. Et dernier produit, alors ça je pense que c'est peut-être mon produit préféré de toute la marque, enfin dans ce que j'ai, hein, j'entends, c'est la petite palette pour les yeux qui s'appelle Touchstone, kit de couleur dégradée pour les yeux. Alors moi elle a un nom, c'est la Echo, quand je suis allée aux États-Unis, donc je l'ai trouvée chez Ulta si ça vous intéresse que vous y allez. Et il n'y en avait que 3, j'ai pris celle-ci, donc c'est pareil. Si vous voulez, en fait, les trucs où il y en a 3, généralement, il y a pour chaque sœur. Je ne sais pas qui j'ai juste pris des couleurs qui me vont à moi avec mes yeux verts. Donc voilà, beaucoup de prunes, roses, etc. Déjà, j'aime beaucoup comment elle est pensée. Vous avez 2 fards mat, donc un beige et un blanc, qui sont quand même vraiment bien pigmentés. Alors, je n'ai plus de place. Si vous voulez mettre là. Voilà. Donc ils sont vraiment bien pigmentés, très lumineux, le beige est parfait pour ma carnation en tous les cas pour bien nettoyer. Le blanc sur le sourcil, nickel, il illumine comme il faut. Ils sont hyper, la texture est hyper veloutée quoi, mais c'est un truc de malade, vraiment je ne m'attendais pas à autant. Ensuite tout au bout vous avez un dernier fard où là qui est très pailleté, donc bien pigmenté aussi. Mais c'est vraiment presque que de la paillette. Si vous voulez qu'ils soient intenses comme ça, il faut le prendre au doigt. Parce qu'au pinceau, il a tendance à prendre que les paillettes. Mais c'est normal, c'est limite fait pour. Et au milieu, vous avez 5 ombres. Voilà.
qui sont, si vous voulez, il n'y a pas de panne séparée. Un panne pour chaque pharmac, un panne pour le dernier. Et au milieu, vous avez les couleurs bien séparées, mais pas de panne différents. En fait, vous pouvez vous en servir comme en les mélangeant. Là, j'ai tout mélangé. Donc ça fait une couleur un peu grisée puisque vous avez le gris au bout. Mais si vous prenez par exemple que les trois premiers, ça fait vraiment un truc rose et c'est pareil, on peut s'en servir même comme blush ou highlighter. Vous pouvez vous en servir donc comme un shimmer brick de Bobbi Brown, c'est ça que je veux dire depuis le début. Un shimmer brick de Bobbi Brown où vous mélangez les couleurs qu'on peut utiliser partout. Sinon vous pouvez les utiliser chacune ensemble. Alors je vais essayer de tout vous les montrer. Voilà. Qui sont vraiment très jolies. Donc vous avez un rose vraiment très pâle, un rose qui est un peu plus qui est semi-mat, très satiné mais vraiment très joli, un violet, un gris pailleté, je mets sur les doigts et je vous montre le dernier, qui là est plus un gris foncé fumé, et encore une fois comme le deuxième rose, assez satiné plutôt que pailleté. Dans les 5 petits tons, il n'y a vraiment que le gris qui est un gris avec un fond un peu violet qui est assez, assez pailleté. Plutôt ces deux-là, sinon les autres c'est plutôt satiné. Ça y est, le soleil revient. Je ne sais pas si ça va se voir, mais le soleil revient. Donc voilà, et franchement j'adore cette palette parce que les ombres se travaillent très bien. Moi ça m'est arrivé en partant en retard au boulot quoi, de la prendre dans mon sac et de pouvoir me maquiller vite fait au doigt. D'ailleurs je pensais à vous faire une vidéo... comment se maquiller au doigt bien, enfin oui bien, voilà, pour un truc un peu simple, si ça vous intéresse je le ferai. Voilà, mais franchement je l'adore. Alors elle a été vendue avec un petit pinceau en boumousse, pour vous dire la vérité je ne l'ai pas gardé, enfin il doit être quelque part mais je m'en suis pas servi. Vous avez derrière un petit tuto, voilà, pour vous en servir si vous voulez, pour vous guider et tout, et je la trouve vraiment très très bien faite, et ça j'ai dû la payer 15$ peut-être. Mais les fards sont hyper bien, hyper pigmentés et tout, elle sert pour tout, elle peut vous servir pour le teint, enfin bon, évidemment si vous avez que ça sous la main, après ça remplacera jamais un blush, et puis c'est vraiment irisé, donc si vous avez pas envie de briller, c'est pas forcément ce qu'il vous faut, mais ça peut le faire, franchement ça peut remplacer, et pour les yeux vous avez tout, enfin tout ce qu'il vous faut, vraiment elle est géniale. Sans être fan des Kardashians ou quoi, j'adore cette marque. Je recommanderais sur fil unique. Alors comme je vois qu'il y a de moins en moins de trucs, des fois j'ai un petit peu peur qu'elles disparaissent, ce qui m'embêterait. Parce que franchement c'est une petite marque que j'adore, Kardashian, pas Kardashian, moi je m'en bats la cacahuète. Voilà, je m'en fous que ce soit les Kardashians, c'est vraiment une marque que je trouve à petit prix, de bonne qualité. La seule chose, je vous dis, c'est que certains trucs crèmes ont tendance à se casser. Mais voilà, après, vous... enfin, ça perd rien de son intensité, ça perd rien de son... du fait que ça soit une bonne cam, que ça soit que ça tienne, voilà, c'est juste que c'est un peu embêtant, je vois d'avoir des trucs qui se cassent, mais franchement voilà, mention spéciale pour les yeux parce que des bons trucs pour les lèvres qui sont semi-mat, un peu glossy et tout, je trouve que c'est, enfin je dis ça, c'est pas moi qui l'ai fait hein, mais je trouve que c'est quand même un peu plus facile à faire, surtout quand c'est des trucs un peu glossy et tout, ils sont très jolis, il n'y a pas de problème, je les adore, j'en recommanderais, mais c'est pas le plus compliqué, c'est pas comme Kylie Jenner et ses gloss mat qui sont sublimes, enfin et ses rouges à lèvres mat qui sont sublimes, où là on se dit waouh et tout, que là bon c'est des gloss quand même, donc, bon, ils sont bien mais voilà quoi. Mais par contre mention spéciale aux produits pour les yeux qui sont sublimes. Et puis la pigmentation, les textures hyper veloutées et tout, ça hyper frais, c'est génialissime. Donc voilà, j'espère que cette petite revue vous a plu. Dites-moi si vous aussi vous connaissez la marque Kardashian Beauty, si vous aimez ou pas, ou si vous avez détesté ce que vous avez essayé, c'est très possible. Hein. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo.